Connaît à travers la province le dynamisme que met André Lejeune dans tout ce qu'il fait. Mais il se retrouvait dans le bureau d'un notaire où on lui demandait beaucoup plus que du dynamisme, beaucoup de compréhension. Ça s'est passé. Mademoiselle Beverly Boileau. Bonjour. Ça fait plaisir. Je suis André Lejeune. Plaisir. Vous êtes Boileau. Boileau. De Lowell, Massachusetts. Ah oui? Oui. C'était une nièce de la défunte. Vous voulez vous asseoir? Ah bon. Oui. Allez. Oui, oui. Bon, alors, je vais vous lire les dispositions du testament. Qui est-ce que je comprends pas, par exemple? Oui. Je connais pas ces gens-là du tout. Non, c'est une dame, madame... Madame Tremblay, Madame Boileau, qui était très préoccupée par nos artistes québécois. Et puis, vraisemblablement, qu'elle a dû vous voir chanter, vous entendre chanter. Et puis, C'est incroyable. Oui, or, c'est lire tellement de choses. Dans les testaments, on en voit de toutes les sortes. Oui, mais moi, j'ai surtout... C'est rare, j'ai eu ça. Parce que, de toute façon, ce que j'ai eu, je le gagne. Je ne l'ai pas facilement, ça. Ah, ben ça ne sera pas nécessairement facile, parce que je vais vous lire quand même les conditions. Ah, vous voyez les conditions. Ah oui, il y a quand même les petites conditions. C'est spécial. Bon, alors, c'est, ça a été reçu de mon notaire précours de Chicoutimi. Ah, bon. Comparé à Mademoiselle Marie-Jeanne Boileau, rentière, domiciliée à Chicoutimi, née à Chicoutimi le 10 octobre 1916, laquelle est en saine d'esprit, fait son testament comme suit. Alors, je passe par-dessous le préambule. D'ailleurs, je vais vous remettre une copie du testament tantôt. Article 2e, je déclare être veuve de Arthur Tremblay. Article 3e, je donne et lègue à titre particulier à ma nièce Beverly Boileau de Lowell, Massachusetts, la somme de 3 000 $. Alors, M. Boileau, c'est votre chèque. À l'organisme Le Cœur des artistes, la somme de 3 200 $. À la condition qu'il utilise cette somme afin de faire une tournée européenne d'un mois. Tournée européenne avec tournée de 2 heures. Je pense qu'on aura plus le faire. Ben, prenez un petit cœur ou bien. Je sais pas. Okay. Bon, pourquoi là? Bon, continuez. Voici le chèque ici. C'est un chèque. Ouais. Ensuite, à l'organisme Le Cœur des artistes. La somme de 700 $ à la condition que cette somme soit utilisée à l'enregistrement d'un disque à ma mémoire. Bon, ici, également un chèque de 700 $. À M. André Lejeune, auteur, compositeur et interprète, la somme de 37 500 $. D'autres conditions attachées. On va se rendre compte de l'artiste. Donc, on va ça. Vous serez libre d'en disposer selon qui vous semblera le plus justifié. C'est ça. J'ai le cœur large, moi aussi, je vais aller au cœur. Voilà. Audit André Lejeune, la somme de 2 500 $ additionnelle à ses montants, à la condition qu'il interprète immédiatement, lors de la lecture du testament et en présence de mon exécutrice testamentaire et du notaire instrumental, ma chanson favorite, Une promesse, intitulée Une promesse. C'est les conditions qui sont moi. Remarquez que... Oui, en fait, c'est... selon les termes même du testament, c'est lors de la lecture et en présence de l'exécutrice testamentaire. Vraisemblablement, moi, je n'ai pas connu Mme Tremblay, mais vraisemblablement, c'est pour... Parce que mademoiselle est de Lowell, Massachusetts. Alors, c'est peut-être pour qu'elle vous connaisse ou... Est-ce que vous connaissez la chanson, vous? Mr. Lejeune has to sing for you a song entitled Une promesse. Ok. Oui, mais si vous voulez vous exécuter, à mesure que vous direz ça. Oui, c'est ça, vous ferez. Je vais savoir la fin, c'est pas des conditions. Non, en fait. Il y avait des choses. Bon. Il y a aussi, Audit André Lejeune, une autre somme de 15 000 $, qui est le dernier. La
une somme de 15 000 $ à la condition qu'avec le groupe Le Cœur des artistes, il chante sur ma tombe le 1er mai de chaque année pendant 5 ans. Alors, c'était les dispositions ici. C'est imaginable. Ça se peut pas. C'est un gag, ça se peut, c'est incroyable ça. Vous savez, malheureusement, je n'ai pas de temps à perdre à faire des gags de cette sorte. C'est assez illicité, ça, tu vois, je connais pas effectivement. Personne. J'ai jamais rien eu de facile. J'ai tout gagné ce que j'avais gagné. Jamais on m'a légué quelque chose. Il y a un curé une fois qui m'a légué une vieille auto il y a plusieurs années, c'était une manière que j'ai eu quelque chose de facile. Pour cette fois-là, ça sera facile. Faut que je chante une promesse. Hein? Une promesse, oui. Pourquoi il faut que je chante une promesse avant? C'est parce que c'est les dispositions du testament, oui, c'est ça. À la condition qu'il interprète immédiatement et lors de la lecture du testament et en présence de mon exécutrice testamentaire et du notaire instrumentant, ma chanson favorite intitulée Une promesse. Bon, tiens. Puis toute la chanson complète. Bon, je peux chanter. Est-ce que vous en souvenez? Je suis pas habitué de chanter devant seulement qu'une ou deux personnes, mais pas grave. Des fois, je chante devant ma femme. Ah bon? C'est le montant. Le montant est assez important. Là. En tout et partout, ça fait combien, vous avez fait longtemps? Oh là, avec les autres situations, avec les autres choses dont on a payé. Comme vous voyez, la madame avait quand même assez de placement. Alors... Alors, est-ce que vous êtes... Are you ready to listen to the song? OK, vous êtes prêts? C'est difficile. Don't mind. After that, to a second song like that. C'est incredible. OK. À celui qui en veut, à toutes choses heureuses, et caresse avec joie les malheurs qu'il provoque, se riant bêtement, des amis, like, I can't go on. It's too much for me. You like it? Oh, well, that's good. Bon, est-ce que vous... êtes-vous en état d'en chanter une autre? Non, non, non. Je vais vous donner plus personnel. Un petit bout de chanson. It's so lovely. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? C'est... Bon, ben là, je vais vous lire, je vais continuer à lire. Okay, alors, l'ensemble des legs particuliers fait ci-dessus. À M. André Lejeune et au cœur des artistes, oui, est toutefois conditionnel. Est-ce que M. Lejeune voit personnellement au logement et au bien-être de mon frère, Joseph-Aimé Boileau, le père de Lazette Beauvais, avec qui il demeurait d'ailleurs, et si possible qu'il lui trouve un appartement à la maison des artistes? Je sais pas. J'y crois toujours pas. Bon, on va faire entrer M. Boileau, il est ici. M. Boileau? C'est un vrai notaire, t'es pas du masque, ça. Non, mais... Ton Dieu! Oh, c'est ce petit magané, non, mais Dieu. C'est parce que là, t'es un des invités de Surprise, Surprise. Oui, je viens de le savoir, là.